À chaque fin de retraite ou à chaque fin de session, les personnes viennent à la boutique et demandent s'il y a un CD avec les chants de la communauté, parce qu'elles aimeraient poursuivre cette expérience de prière avec les moines, mais depuis leur maison. Et bien maintenant, on va pouvoir leur dire que c'est possible. D'abord parce que c'est la devise de la communauté, en simplicité, et puis aussi parce que ce produit a été enregistré sans prétention. Nous avons travaillé consciencieusement, mais simplement. Voilà, nous vous faisons partager notre chant en toute simplicité, in simplicitate. Alors ça ne veut pas dire que ce travail a été bâclé, au contraire, on y a mis tout notre soin et surtout tout notre cœur. Et au-delà d'une perfection technique, c'est surtout une ambiance de prière qui se dégage, je pense, de chacun des morceaux. Et si vous nous dites, eh ben merci, grâce à ce CD, on a réussi à prier, eh ben alors on sera content, on aura atteint notre objectif. Nous sommes des moines. Nous sommes des bâtisseurs, vous nous connaissez certainement déjà par le projet de construction de notre monastère. Étant sous le patronage de Saint-Joseph, nous sommes profondément des artisans. Et ce CD est un produit artisanal, c'est le fruit du travail de notre communauté. Il a été enregistré par nos soins, il a été masterisé, puis dupliqué, cellophané, mis en vente, expédié par l'un ou l'autre des moines ou moniales de la communauté. Ce CD propose un peu tous les styles de chants que la communauté peut être amenée à prier durant l'année liturgique. Vous avez des chants du temps de l'Avent, de Noël, du Carême. Il y a aussi différents styles, du chant polyphonique, du chant grégorien, des psaumes. Nous aimerions par la suite pouvoir proposer des CD par style, un CD d'office monastique, un CD de louange. Je crois qu'il ne vous reste plus qu'à l'écouter, à vous le faire offrir, à l'offrir vous-même pour nous aider à terminer le chantier du monastère. Et surtout, si vous passez à proximité de Béziers, eh bien n'hésitez pas à vous arrêter, venez prier avec nous, parce qu'on sait bien que c'est toujours mieux en direct.